Eh bien, re, mes fidèles disciples, on se retrouve pour la suite de notre Let's Play sur Dead Space. On s'était laissé à cette save la dernière fois, rappelez-vous. Alors, on a réactivé... Enfin, je viens de réactiver à l'instant le... Comment ça s'appelle ? Je viens de réactiver à la salle de contrôle le moteur, voilà, qui nous a permis de nous remettre en orbite. Donc là, chemin inverse, on a rendez-vous à la passerelle avec, je ne sais plus son nom. Il y a vraiment des bruits de malade hein, ici. C'est clair. Qu'est-ce par là-bas ? Il me semble pas qu'on soit passé par là déjà. Si je ne m'abuse. Isaac ? Isaac ? Où es-tu ? C'est moi. Nicole ? Nicole ? Alors Nicole, c'est censé être la femme d'Isaac, hein. Apparemment, elle a mené des expériences, je sais pas, tout à l'heure, on lui a eu un message, elle a dit tenez-le. Tenez-le, je sais pas trop quoi. Ok. Ok, on revient là, pas de soucis. Putain! Ah! Non! Oh, j'ai tiré! Qu'est-ce que tu fais là, Isaac? Allez! Oh, l'enculé! Allez! Bim, bitch! Oh! Oh, le salaud! Ah, le trancheur est un peu lent quand même, j'ai l'impression. Point de force. Est-ce qu'on a une table de point de force ici? Ce serait vraiment bien. En toute franchise, non. Par contre, là, j'ai un placard. Ok. Ah, dans le stock. Dans le stock, on peut vendre des objets. Je vais le vendre, ça va me faire de la place. Dans l'inventaire, j'ai des objets qui me gênent, là. Qui sont à vendre, en plus. Ok, on peut acheter des kits de soins moyens, maintenant, grâce au schéma que j'ai trouvé. Alors, inventaire. Voilà, vous voyez ça? Ça va me rapporter 6000, déjà. Sans regret, oui. Bien au contraire. Le lance-flamme, je suis désolé, hein, mais je crois que je vais le vendre si je le trouve. Voilà, on a 20 000. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter maintenant? Des coupeurs. Ouais. Des coupeurs. Ouais, j'en sais rien. La prochaine tenue, à mon avis, va coûter très cher. Donc, je préfère éviter. Hop, pardon. Hop, on va faire ça comme ça. Comme ça, pardon. Ouais, donc à mon avis, la prochaine tenue va coûter très cher, donc je préfère économiser un peu sur les crédits. Allez, je vais repasser en fusil d'assaut. Ok, épisode 3 terminé, mes disciples. Yes. Ah, j'aurais su, j'aurais fini la vidéo là-dessus, la dernière. Il doit y avoir un souci puisque c'est écrit 22 minutes de jeu. On n'en est pas à 22 heures donc ça soit des minutes. Alors on se dirige carrément sur tout l'avant du vaisseau. Encore une nouvelle zone, hein, on n'y a pas été ici. Ok donc... Alors, en général l'avant du vaisseau c'est là où tout se contrôle, hein, la navigation, tout ça. Ici. Elle a raison. Le système de défense est HS, j'ai besoin de votre aide. Kendra, si vous me recevez, voyez si vous pouvez trouver des rapports. L'accès a l'air meilleur de votre côté. Quand comptiez-vous nous parler de ce vestige, Amand ? Ce monolithe ? Je ne sais rien du tout à ce sujet. Monolithe. Le capitaine en parle dans ses rapports, ils l'ont ramené de la planète. Sur le vaisseau ? On dirait. Ils pensent que c'est extraterrestre, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Vraiment ? La compagnie ne sait rien du tout là-dessus. Vous mentez. Dites donc ! On a plus important, là. Des ennemis en commun. Alors que vous me croyez ou non, on va devoir coopérer. On est dans le champ de débris. Allez au quartier du capitaine, j'expliquerai tout plus tard. Terminé. Ok, là on est dans le champ de débris, on a perdu la défense du vaisseau, donc il faut absolument qu'on la remette. Ça doit être un bouclier quelconque, hein. Oh, sa mère ! Qu'est-ce... Ah, je peux plus bouger. Oh, putain.
Oh merde, merde, merde! C'est quoi ça? Je vais regarder dans le stock parce que ça se trouve maintenant on a accès à la nouvelle armure. Mise à jour dans trancheur. Comment ça? On peut acheter des armes pour le trancheur, c'est ça? On peut acheter des points de force. La stase, kit de soins, ok. Bon, on n'a pas accès à la nouvelle tenue. On n'est qu'au début du jeu, j'ai l'impression. Oh là là, oui, hein. Oh putain, oui. Oh non! De la merde. Mais carrément quoi, maintenant c'est impossible. Isaac, c'est impossible. La batterie est touchée, juste sur ta droite. Apparemment c'est sérieux, mais les fondations tiennent bon. Condition vitale intacte, il faut quand même rétablir le système. Ah, c'est impossible, l'air devrait partir dans l'espace en toute logique. C'est pas cohérent là. Je sens mal, je sens très très mal. On doit aller où? Bon, va bien falloir que je vise là. Hein. Va pas falloir que je fasse trop le con. Schéma. Oh, tenue niveau 3. Oh, je need. Vous savez quoi? On va laisser la mettre direct, en fait. On va laisser la mettre tout de suite, parce que là, je le sens pas. C'est pas pourquoi. Ça me rappelle vaguement quelque chose, ici. Ouais. Mais non, ça a l'air safe, mais bon. On sait jamais. Ouais, c'est juste là. Donc j'ai bien fait de garder mes crédits, à mon avis, hein, on va voir ça. Alors, tenue niveau... Ouais, vous voyez, c'est 20 000. On va gagner de la place dans l'inventaire. Peut-être de la vie, de la stase, de la force, peut-être. Je suis pas sûr de ça, par contre. Si, 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 logiquement, si. Alors, est-ce qu'on va être badass? Je le souhaite, en tout cas. Ah yes! Hé hé! Bon, ça veut pas les tenues du 3, hein. Ou du 2, j'imagine. Ah, regardez derrière, ça commence à être pas mal. Ah, on a un petit peu plus de vie. Ok. On va se prendre un mini kit de soins. Non, non, on va rien se prendre, je vais garder l'argent reste. Allez, let's go! Alors, on est parti pour la guerre. On va la dégaine, hein. Yes. Oh, il y a un trou dans la coque, j'y crois pas. Bon, il vient ce boss là. Bordel. Ah, c'est pas vraiment des boss au début, des fois c'est des nouvelles créatures mais qui sont un peu badass comparé à nous. Mais voilà. Ah bah c'est bon, on a retrouvé le coéquipier. Oh merde, quelle angoisse, cet endroit me rend nerveux. Les débris ont déjà fait pas mal de dégâts. Bon, Kendra ne me fait pas confiance. Mais je ne sais rien du tout à propos d'un monolithe ou quoi que ce soit. Nous sommes juste venus là pour réparer. Rien de plus. Ce bordel, c'est le système de défense. Je dois pouvoir le réparer, mais l'alimentation principale est touchée. Il va falloir le réactiver manuellement, avec au moins 3 panneaux électriques pour remettre le canon principal en marche. Oh, d'abord, il faut activer les ascenseurs de l'atrium depuis la passerelle. Grâce à eux, vous pourrez atteindre les panneaux.
À propos, Isaac. Faites gaffe. J'ai vu quelque chose, je sais pas trop quoi. J'ai pas bien vu. Mais c'était gros. Très gros. Ouais, ouais. Ok, Cassos. Je vous avais dit, hein. C'était... Merde ! Arrière ! Je croyais mort quand je l'ai enfermé. L'horreur sont coriaces. Faire une sauvegarde. Je vous le dis. Bon, alors on doit aller par où? Ok, ouais, l'ascenseur. Il me semble qu'il y a un ascenseur juste là. Ça, c'est quoi? Hé! Hey, oh, c'est quoi ça? Oh putain! Oh putain! Oh, j'ai cru qu'il m'avait OS! Oh les shit, c'est quoi ce truc? Si, si, c'est un boss! Oh putain! Est-ce qu'on a de la stase? Dans le dos, dans le dos, dans le dos! Mais j'ai déjà plus de stase! Ah! Tire, tire, bordel! Ok, cours, 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 cours! Allez! Faut de la vie. C'est bon. Oh putain, il est là. Ah, il doit faire un truc. Il doit faire un mouvement où il doit s'arrêter. À ce moment-là, faut l'attaquer dans le dos. Putain, la merde. Ok, là, il se pose. Allez, il court. Oh, les crèves. Merde. Oh là là, ça fait mal, ça pique. Non, ça pique pas trop, mais... Ah, j'y vais à un mode YOLO, là. Là, par contre, il nous faut de la vie. Ah, la merde. Allez, go. Le trancheur, s'il te plaît. Allez, go, 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 vite. Allez, encore. Yes. Come on. Wow. Oh, purée. Ah, j'espère que vous n'avez pas explosé les oreilles. Je suis désolé, j'entends plus rien. Faut que je fasse des meilleurs réglages de micro. Oh là là, c'était quoi ce truc? Ah, je vous avais dit, hein, c'était... Il me semblait... Ah, il me restait de la stase, en plus. C'était une noob. Il me semblait qu'il y avait un boss dans le coin, quoi. Bon, allez, on va pouvoir prendre l'ascenseur, cette fois. Même pas. D'accord. Alors, on a accès à une nouvelle zone. Isaac, ne faisons plus qu'un. Ascenseur de l'Atrium activé. Là, c'est Nicole qui vient de nous parler, hein. Isaac, nous ne faisons plus qu'un. Ouais. Bizarre. Bon, on a des points de force. On en a 3. Je vais les mettre dans quoi? Cet emplacement, on l'utilise souvent. Parce que le trancheur, je vais bientôt plus avoir de balles, malheureusement. Comment faire? C'est quoi ça? Amplitude? Carrément? Et là? Amélioration des mines? Ouais, je m'en sers pas trop de ça encore. Ah, là on peut accentuer les dommages. Ils sont déjà badass, mais bon. Et de la recharge aussi. Ok. Allez, on va se faire ça dans un premier temps. Les dommages. Et bim! La recharge. Voilà. Alors là, le trancheur, déjà, je vous le dis, il est... Là, il est balèze. Là, il est balèze.
Bon, vu qu'on avait un peu de lacune sur la recharge avec, j'espère que ça va combler un petit peu cette lacune, justement. C'est une mutinerie. Vous serez tous jugés pour mutinerie. Khan, faites-les revenir à la raison. Calmez-vous, Ben. Tenez-le. En vertu de l'article 5469, je déclare le capitaine Benjamin Mathius inapte au service. Le monolithe doit revenir à notre église. Ted, pitié. Désolé, Ben, mais il n'en est pas question. Traître, hérétique. Tenez-le bien. Meurtrier. Tenez-le. Ah, l'enfoiré. Il est mort. Par votre faute, docteur. C'était un accident, je devais l'arrêter. Arrêtez le docteur. Ah, l'enfoiré. Ah, j'ai pas compris pourquoi, par contre. Pourquoi il lui a fait ça, mais c'est pas grave. Choc laser. Oh là, on a une nouvelle arme. Ça m'intéresse. Les systèmes de gravité fixés sont endommagés. Garde un œil sur toute déformation suspecte devant toi ou sous tes pieds. Ça peut être dangereux. J'ai envie d'aller voir la petite porte qui est là. C'est quoi ? Dépôt système. Allez, lui, déjà. Yes, on a une recherche de stase. J'ai bien fait de venir. Du cred. Nickel. Oula. Oh, c'est quoi ce cri de merde? Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Ah ok, ok. Faut pas passer là-dedans, surtout pas. On va passer... Ok, ça peut être pas mal d'attirer les ennemis en fait, genre en se mettant par là. Comme ça, ils vont traverser ces zones, je sais pas ce que c'est vraiment. Des zones d'antigravité, un truc qui repousse la gravité comme ça. Il y a une espèce de force. Ok, lui il est derrière, il va se faire tuer sûrement. Sinon on va l'attendre. On va l'attendre là, sinon. Allez, Osef, Osef. Merde. Il m'a sauté dessus, non, dommage. C'est bon. Ouais, voyez le trancheur, hein. Si je vise bien, c'est OS maintenant, hein, sur ses ennemis, déjà. Par contre, bah, voilà. Toujours pareil, on n'a pas de balles. Ok, j'aurais dû augmenter le cutter plasma peut-être, alors c'est pas grave, la prochaine. Au moins c'est fait. La stage, j'en ai pas l'utilité, je suis saoul. Ah, pardon. «
Alors, on a deux passages, un gauche, un droit. On... Oh putain, c'est quoi ça? Ouh là là. Oh non! Oh putain, non! Sérieux? Oh mais c'est quoi ce déruc? Oh putain, mais dites pas que c'est quoi ça? Ah, j'ai pris du jus. Transfert d'énergie au système. Ah, il est là, j'ai plus d'huile. Circuit des systèmes vaisseaux rétablis. Les réparations de la visée. Il y a un kit, t'as un kit, non? Un des canons me donne du fil à reprendre. Non! Non! Putain, non! Merde, comment on va faire? Ah! Oh, lui, il est totalement badass, un truc de psychopathe. Bon, mais écoutez, 21 minutes, parfait, on va se laisser là, hein. Je vais reprendre. On reprendra d'ici sur la prochaine partie, mes fidèles disciples. N'oubliez pas de me laisser un petit like, un petit commentaire si vous avez des conseils ou autre chose à me dire. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si vous en avez l'envie. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Bon jeu à tous et ciao, bye bye.